Hey, bienvenue à cette nouvelle vidéo. On est au camping. On s'est réveillé ce matin, j'ai filmé la journée, tout ça. J'ai essayé d'utiliser mon appareil et ça m'était qu'il fallait que je formate ma carte et que ma carte n'était plus accessible. Donc j'ai dû la formater en supprimant tous les fichiers que j'avais fait. Donc là je suis ravie. Donc là je reprends la vidéo du jour à partir de maintenant. Alors j'avais déjà fait la moitié. Et donc là pourquoi on est au camping? Alors ce matin on s'est réveillé, tout allait bien. Bon hier on s'est rendu compte qu'on avait presque plus d'eau et on l'a fini sur ce matin, les dernières réserves d'eau qu'on avait. Donc on a continué nos randonnées et on a essayé de trouver une ville pour recharger, pour remettre de l'eau dans nos gourdes. On a réussi à trouver une fontaine à eau près d'un club de tennis. Et ensuite on a décidé du coup de ne pas reprendre la randonnée parce que nos sacs sont vraiment lourds. Et on a déjà marché 2 jours, ce qui était cool. Et en fait, la randonnée a commencé à être plus dans la ville et tout, et plus dans les montagnes et près de la mer, donc on aimait moins. Et il a commencé à pleuvoir, et on a trouvé quelqu'un pour nous prendre en stop, du coup. Il nous a ramené à Eaglesea, ça s'appelle, et c'est la ville où on a commencé la randonnée. Donc on est arrivé à la ville, sauf qu'il pleuvait, donc on s'est posé dans un café, on a bu un petit chocolat chaud. Et on a recherché en gros ce qu'on voudrait faire. Et ce qu'on voudrait faire, c'est partir à 1 heure de route de là où on est actuellement pour pouvoir aller longer la côte et trouver d'autres parties de la côte à faire et trouver des belles plages pour se baigner, pour surfer. Et ce soir, du coup, il pleuvait trop en fait. Et là, du coup, on est allé dans un camping. Ouais, dans un camping parce qu'en fait, on est passé dans une boutique et la meuf était trop gentille, nous a dit vous inquiétez pas, il y a un camping pas loin si vous avez pas d'endroit où dormir et tout. Donc voilà, donc là c'est par contre on a payé $65 la nuit. Bon, après divisé par 2, ça va. Pardon. Oui, divisé par 2, ça va. On est dans la légalité pour la première fois de notre séjour. Et aussi, il y a des petits lapins en liberté et des kangourous. Des kangourous dans le camping, genre. Avec Francine, notre tante, du coup, on a décidé d'appeler Francine il y a genre 2 secondes. Ouais, parce qu'en fait, c'est une forte classe et du coup, ça commence par F. C'est vrai. Je me suis dit, qu'est-ce qui commence par F? Francine est venue à ma tête. Voilà. Francine, les Francine en commentaire, n'hésitez pas à liker, à commenter. Pour faire ça. Et à partager. Mais en gros, du coup, là, on est pas mal. Et puis, on va aller explorer le camping. C'est parti pour l'exploration du camping. Allô là. C'est quoi les filles? On est dans un ravin, qu'est-ce que vous avez fait? Non, on a sauté. Elle est vraiment dure notre vie. Vraiment. Je rêve d'une France. Je rêve d'une France. Je rêve d'une banque, c'est ça la vraie phrase. Mais oui. Qui me donne de l'argent. Alors que c'est moi qui lui en dois. Alors que mon crédit est à moitié remboursé. Je rêve d'une banque. Je rêve d'une banque. Qui me permette de voyager sans que je n'ai rien à faire. Qui sponsorise mes vidéos YouTube. La banque populaire, on vous parle. Oula, non, peut-être pas banque populaire. Je suis pas sûre que ça soit la meilleure des banques. Non, mais c'est la mienne. Ah. Bah oui. Mais nos banques, elles sont nulles. Je rêve d'une banque qui ne finance pas les énergies polluantes, ouais. Les énergies fossiles. Je rêve d'une banque. J'attends la suite. C'est tellement plus confortable. Allez, on va faire une vidéo 24 heures dans un canapé. Voilà, à raconter que de la merde. Clairement. Et regarder des vidéos débiles. J'ai l'impression d'être dans bloqué. Qu'est-ce que tu penses de la vie, Waxon? Ah, bah moi, je pense de la vie. Gringe. Finalement, c'est fait de petits plaisirs, de petits bonheurs du quotidien, comme ce bonheur du quotidien de café. Ça me stresse, ma caméra n'est pas bien mise. On est trop bas. Qu'est-ce que tu penses de la vie, Gringe? Moi, je pense que la vie. Du coup là on va voir la mer, on est vraiment... Alors du coup là c'est notre petite tente, on tourne et là il y a le portail pour aller à la mer. Ok, donc on se retrouve, on vient de prendre nos douches. Oui, on est habillés pareil, non, on a des jeans.
Bah, c'est les suites en fait qui changent pas parce qu'on n'a pas trop meilleur de suites non plus. Mais par contre, ouais, on a mis un jean et là ça fait trop plaise. On est bien propre. Et on se dirige vers les cuisines pour cuisiner finalement. Oh, il y a personne. Bah, elle est clairement mieux que dans certaines auberges qu'on a fait. Vraiment, bah, elle est mieux, c'est pas. Tu as des petites tables et tout. Du coup, là, il y a plein de barbecues. Il y a des tables. Et là, incroyable. Voilà. Bon, bah, je pense qu'on peut dire à la prochaine. Salut les gars! Salut!